âgée. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Bon, je regarde, si je vois parce la reine, parce que c'est unique, je veux hein? la montrer. Ah oui, si on voit la reine. Mais la reine, je ne la vois pas tout le temps parce que... Des fois, elle recouvre. Ah non, non, à des fois, elle pond ici, mais elle pond en arrière. Puis quand elle est en arrière, je la vois pas. Oui, parce que c'est sur deux côtés. Deux côtés. Puis là, j'ai regardé, je ne la vois pas, fait qu'elle est en arrière. Puis normalement, elle est beaucoup... Elle est plus longue, elle est plus grande. Quoi, longue comme ça, à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Regarde, à peu près longue comme ça, la queen, but you might be pong. Oh, t'es l'autre côté! Non, fait que je ne la vois pas, là. Oh, wow! Et ça fait combien de temps? Elle est quel âge, ton reine? Cette reine-là, elle a juste un an. Un an, OK. Elle a un autre 4 ans. Oui. Puis là, vous les voyez... Vous avez déjà vu le transfert d'une reine à l'autre? Oui. Puis qu'est-ce qui arrive quand la reine est trop vieille? Attendre qu'elle meure? Puis ensuite, ils en font une autre. Ouais, puis quand elle meurt, ils apprennent, puis elle sort. Il y a comme une abeille morte. Mais il y a commence pas une autre avant qu'elle soit morte. Avant qu'elle meure, oui. Ah oui, pour que l'autre naisse avant qu'elle meure. Continuité. Puis il n'y a pas de mauvais feeling entre l'ancienne reine et la nouvelle. Bien sûr que non. Si il y a deux reines dans la même ruche, ils vont se battre, les reines. Ben là, c'est pour ça. Donc, si l'autre est trop épuisée, ils doivent savoir. L'autre essaie bien épuisée. Fait que quand la jeune vient au monde, elle est plus forte, elle bat l'autre. Hein? C'est ça. Ah, oh, ça finit par une duel. Oui, tout le temps. Mm-hmm. Puis là, les faux bourdons, s'il y en a 300 sur 60 ouais, 000. Mais là-dedans, j'en ai vu juste un, moi, dans ma petite ruche. Parce que là-dedans, c'est pas une grosse ruche, hein, c'est juste un démonstrateur. J'ai peut-être juste 5 000 abeilles. Mais pour vous montrer, c'est la même affaire. Oui. Puis ça ici, c'est... C'est de la cire qu'elles ont mis sur la vitre pour agrandir leur maison. Regardez, t'as même une extension de... Regardez, vous avez une loupe ici, si vous voulez mieux voir, madame. Oh, look at you! Ouais, c'est le bourdon que je voulais voir. Ah oui, je pense qu'il est parti. Le faux bourdon est parti. Il est parti rejoindre la reine. Des oiseaux mouches. Le même jour. Le même matinée. J'avais jamais vu ça. J'en ai jamais vu d'autres. Ils vont des fleurs rouges, les oiseaux mouches. Ah oui. Regarde le son. You can hear them. Yeah. Mais c'est drôle, hein? J'aurais pas pensé que le gars, là, qui avait une ouverture, une petite ouverture, 200 piqûres, Mais j'aurais pas pensé, vu que c'est un apiculteur, ces gens-là vont pas attaquer les abeilles. Ah, ben les abeilles se défendent pareil. Ils se défendent parce que t'es dans mon territoire, là. Ouais, c'est leur maison, puis tout. Je vais vous emmener dehors, je vais vous montrer où est-ce qu'elles sont. OK.